Tu ne vas pas venir me dire comment gérer mon couple, hein? Et pourquoi tu m'appelles alors à chaque fois que tu as un problème dans ton couple? Si tu ne veux pas que je parle des affaires de ton couple, ne me dis pas ce qui s'y passe. Ne vous fiez pas à mon alliance. Entre votre femme et vous, ça ne va plus. C'est ce que vous dites tous. Croyez-moi, je vous rends service. Et surtout, je ne veux plus être responsable des malheurs d'une femme. Et si vous tenez tant à tromper votre femme, trouvez quelqu'un d'autre, parce que ce ne sera pas avec moi. Je ne pense pas que c'était lui que j'ai vu. Tu ne penses pas comment? C'était lui ou ce n'était pas lui? Ma fille, ce n'était pas lui, je suis désolée. Et pourquoi tu m'as dit que c'était lui? Parfois, je confonds mes rêves avec la réalité. Il dit qu'il n'est pas sûr d'avoir vu Esso avec cette fille. Et pourquoi il a dit ça? Il dit que ses rêves et la réalité se mélangent dans sa tête. En moins de 2 semaines qu'il est chez toi, il a déjà créé les problèmes entre toi et ton mari et aussi entre toi et moi. Je pense que ce type ne va vous apporter que des problèmes. Je suis contente de te voir. Moi aussi. C'est quoi ça? L'échographie. Attends, ce sont... Oui, ce sont les triplés. Merci mon ange. Non, je viens d'arriver à la maison. Non. Amandine est encore là, mais elle va bientôt partir. Ça dépend de quelle heure tu vas rentrer. D'accord, il n'y a pas de souci. S'il te plaît, est-ce que tu peux me garder le chocolat blanc? Ouais, bébé, je suis ta princesse, non? Merci, mon cœur. Dis-moi, finalement, tu as décidé quoi pour demain? Ok, on en reparle quand tu vas rentrer. À tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe encore? Ma princesse, il y a quoi? Tu me fais peur. C'est quoi ça? À toi de me le dire. Parce que si j'agis encore ici, tu vas dire que je ne te fais pas confiance. Je vois bien que c'est une boucle d'oreille. Mais je ne comprends pas pourquoi ça te met dans cet état. Si c'est bien ce qui te met dans cet état. Tu m'as déjà vu porter ça? Non, pas que je ne me souvienne. Et ça fait quoi dans ma chambre? Tu as trouvé ça ici? Juste là au sol. Je t'assure, je ne sais pas comment c'est arrivé là. Tu ne sais pas comment c'est arrivé là. Il faut que tu me croies, je t'assure. Donc tu veux me dire que la boucle s'y a fait la magie pour apparaître dans ma chambre? Ce n'est pas ce que je dis. Il y a certainement une explication. Mais il faut qu'on trouve ça ensemble. Parce que moi-même je ne sais pas. Ça c'est trop pour moi. Je fais des efforts. J'essaye de me contrôler. Mais là, c'est un peu trop. Je ne comprends pas pourquoi à chaque fois, il faut que tu trouves toujours quelque chose pour me faire mal. Tu n'as qu'à demander à ton père. Depuis que je suis sorti d'ici à 10 heures, je ne suis pas revenu. Je vous attendais, madame. Je pars déjà. Amandine. Monsieur. Tu arrives ici à quelle heure? À 10 heures, monsieur. Depuis que tu es sorti,
Est-ce que je suis revenu ici? Non, mais le père m'a envoyé à 15h faire une course. Je suis revenu à 16h30. L'enfant dormait. D'accord. Papa, est-ce que je suis revenu ici? Je ne sais pas. Je me suis endormi. C'est vrai que c'est comme si j'ai entendu des voix. Mais je ne suis pas sûr. Je dormais. Tu as compris? Je t'assure que je ne sais rien à propos de cette boucle. Quelle boucle? Amandine, tu peux partir. D'accord, madame. Il est encore venu ici avec une fille? Non. Et je ne l'ai jamais fait avant. Et qu'est-ce que cette boucle fait dans votre chambre? Écoute, est-ce qu'on peut oublier ça et en reparler demain matin? Pour l'instant, j'ai juste envie de me vider la tête. D'accord. Je parle de ceci. Autre chose aussi. Est-ce que tu peux passer la nuit au salon? Ok. Ça ne me dérange pas. D'accord, merci. Bonjour, je peux entrer? Oui. Ça va? Tu as pu dormir? Non. Pas vraiment. Moi non plus. J'ai beau chercher, mais je ne comprends pas ce qui se passe. Moi-même. Mais je suis pratiquement sûr d'une chose. Ton père sait ce qui se passe. Quoi? Pourquoi tu dis ça? Réfléchis un peu, Ndinga. Depuis qu'il est arrivé ici, il se passe des choses étranges. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il sait ce qui se passe. Il gagnerait quoi à créer des problèmes entre toi et moi? Soit c'est lui qui a mis la boucle ici, soit il a fait entrer quelqu'un d'autre pour mettre ça. Et je pense que c'est pour ça qu'il a envoyé Amandine, pour qu'il n'y ait personne. Oui, mais il gagne quoi en faisant ça? On est en train de l'aider. C'est même toi qui as insisté pour qu'il vienne s'installer ici. Pourquoi il ferait ça? Je ne sais pas. Et si c'est quelqu'un d'autre qui l'avait envoyé? Quelqu'un d'autre comment? Pour faire quoi? Je ne sais pas. Mais c'est quand même bizarre. Si Bob n'était pas mort, on aurait dit que c'est lui. Mais là, moi je ne vois personne d'autre qui pourrait faire ça. En tout cas, je suis content que tu aies pris les choses de façon calme. Et que tu m'aies fait confiance. Tu es beaucoup de choses, mais tu n'es pas stupide. Merci. Qu'est-ce que tu proposes donc? On le fait partir d'ici. On change toutes les serrures et on voit ce qui se passe. Moi, je ne veux plus qu'il parte. Je m'habitue déjà à lui. D'accord. On le laisse donc ici, mais on change toutes les serrures et on installe les caméras de surveillance cachées, sans qu'il ne le sache. D'accord. Je vais appeler le gars qui avait installé le système dans notre entreprise. Il va gérer ça. Ok. Il faut que tu trouves le moyen de le faire sortir. Pas de souci. C'est exactement comme ça qu'un couple fonctionne. Quand il y a un problème, on s'assied et on discute. Oui, j'ai compris. Par contre, il faut vraiment qu'on sache ce qui se passe chez vous. Tout ça me rappelle Bob. C'est exactement ce que j'allais dire. Qu'il repose en paix où il est. Le petit qui doit installer les caméras dit qu'il ne peut être disponible que le week-end prochain. Ça m'énerve. Ouais.
Il faut que vous vous arrangez pour qu'il y ait toujours quelqu'un à la maison avec lui en semaine. Je vais voir ça avec Amandine. Et toi donc? C'était quoi la superbe nouvelle? Bah vas-y, parle. J'attends les triplets. Quoi? Oui, ma copine. J'attends les triplets. Les triplets. Oh mon Dieu. Ma soeur, le Seigneur a vraiment décidé de te bénir. Ah, viens là. Le type qui est en haut là. Ah. Mais. Eh ben, ça veut dire qu'on doit tout acheter en 3 exemplaires. Laisse-moi comme ça. Il est vrai que je suis contente. Mais en même temps, je suis un peu stressée. Oh, ne t'inquiète pas. Je suis là et je vais t'aider à les gérer. Merci, ma copine. Oh. Au triplet. Au triplet. Bon, il faut qu'on fasse vite. J'ai beaucoup de travail à rattraper tout à l'heure. D'accord, boss. Ok. Tu aimes ce que nous faisons? Alors, n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci. Avez-vous un projet de construction? Recherchez-vous une entreprise spécialisée dans la conception des plans pour vos projets de construction? Ou encore, recherchez-vous un partenaire fiable, sûr et efficace pour la conception des plans de vos différents projets de construction? Alors, contactez ADCO Group dès maintenant. Nous vous offrons des plans sur mesure qui allient fonctionnalité, esthétique et durabilité avec des maquettes 3D futuristes vous permettant de visualiser l'intérieur et l'extérieur de votre bâtisse avant la réalisation. Nous concevons et mettons à votre disposition des plans pour vos résidences écologiques, contemporaines, traditionnelles, des immeubles et même des projets d'investissement. Nos plans incarnent non seulement une esthétique architecturale soignée, une ingénierie structurelle solide, mais aussi une intégration de solutions durables pour minimiser l'impact environnemental. Convaincus que notre démarche soit centrée sur la satisfaction du client, sur l'engagement envers l'innovation et notre vision de l'architecture contemporaine, nous sommes en même de répondre à vos attentes les plus élevées en termes de confort, élégance et adaptabilité pour évoluer avec vous au fil du temps. Alors contactez-nous, discutons de votre projet et concrétisons votre vision. Nous sommes situés à Bonamoussadi, à l'immeuble Ancienne Mairie dans la 5e. Et nous répondons au numéro suivant 677 58 89 85 698 90 57 51. Choisir ADCO Group, c'est choisir un partenaire fiable pour son projet. Je pense qu'il me soupçonne déjà. Il faut qu'on arrête. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je les ai entendus parler ce matin. Ils parlaient de mettre les caméras de sécurité et de me faire partir de la maison. Elle n'a pas trouvé la boucle? Si. Mais elle n'a pas réagi comme la dernière fois. Elle était plutôt calme. Ça veut dire qu'il faut qu'on accélère les choses. Accélérer comment? Moi, je ne veux plus faire ça. Tu t'es engagé. Donc, on va jusqu'au bout. Pourquoi tu fais même ça? Les jeunes là t'ont fait quoi? Ils sont plutôt gentils. Ça ne te concerne pas. Contente-toi de faire ce que je te dis. Je fais alors quoi maintenant? Il faut que tu installes une application dans leur téléphone. Je fais ça comment? Moi, je ne connais pas manipuler vos choses là. Ne t'inquiète pas. Je te dirai quoi faire. Ils ne vont pas me donner leur téléphone. En plus, maintenant qu'ils me suspectent. Bon, je le ferai moi-même. Trouve juste un moyen de m'ouvrir la porte cette nuit. Ton affaire là risque de finir mal.
Ne t'inquiète pas pour moi. Autre chose, il faut que tu me trouves les informations par rapport au compte bancaire de la fille. Et je prends ça où? Je n'en sais rien. Débrouille-toi comme tu peux. Ils sont où là maintenant? J'ai laissé le mari à la maison. La fille était sortie faire les courses. Tiens. Retournez vite là-bas. Il faut éviter qu'ils installent des caméras aujourd'hui. N'oublie pas de ranger les provisions dans la cuisine avant de partir. Je suis contente pour elle. Mais je ne suis pas sûre que c'est une expérience que j'aimerais vivre. Donc si on te donne ça, tu vas refuser. Bon, si on enlève l'étape de l'accouchement, ça va. Tu en es sûre? Vu la façon dont Johanna t'a menacé là. Toi-même, tu vois que ce n'est pas facile, non? Heureusement que j'étais là. Heureusement que tu étais là, comme tu dis. Est-ce que je peux te demander un service? Vas-y, je t'écoute. C'est par rapport à mon business. J'ai besoin de me déplacer pour la Turquie. Mais là, je n'ai pas assez de sous pour ça. Est-ce que tu peux me trouver 3 millions? 3 millions? Pour faire quoi? Pour couvrir le voyage et certains frais là-bas. C'est le business de quoi d'abord? Je dois être le distributeur de certains produits turcs dans toute la zone d'Afrique francophone. C'est quel type de produit? C'est tout type de produit. Les produits alimentaires, les matériaux de construction. Il y a beaucoup de choses. Et tu distribues ça comment? J'ai pu créer un réseau de boutiques dans les pays. Et je dois me rendre en Turquie pour rencontrer les représentants de tous les pays dans lesquels je vais distribuer. Et c'est moi qui les prends en charge. Pourquoi tu les prends en charge? Pour qu'on se rencontre, que je sache au moins qui sont mes interlocuteurs. Ce n'était pas obligé, c'est moi qui ai voulu faire ça. Pourquoi ils ne viennent pas ici au Cameroun? Parce qu'en même temps, je devais rencontrer les représentants des produits turcs. Ça va être compliqué, hein. Je pense que je peux te trouver ça. Merci. Tu me sauves la vie. Hey, mon fils, tu ne dors pas? Non, je n'ai pas sommeil. Moi non plus. J'ai entendu un bruit ici. Ça doit être moi. Je suis désolé. Tu peux t'asseoir avec moi si tu veux. Non, je préfère rentrer me coucher dans la chambre. D'accord.
J'espère que tu trouveras le sommeil. J'éteins. Non, ça va. Fils, il y a un voleur dans la maison. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. J'ai entendu quelqu'un sur la porte. Et quand je suis parti pour voir, la porte s'est ouverte brusquement. Il m'a frappé. Ça va aller? Oui, je crois. Zinga! Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas encore, mais il est parti. J'ai eu tellement peur. Je sais, ça va aller. Je suis là. Est-ce que tout va bien là-bas? Oui, papa, tout va bien. Attends, il faut que j'aille vérifier la porte. Restez ici. C'est bizarre. La porte n'a pas été forcée. Je pense qu'il avait les clés. Je l'ai entendu ouvrir. Mais comment il a fait pour avoir les clés? Je ne sais pas. Esso! Oui, ma princesse. Je suis là. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. C'est comme s'il avait les clés. Il avait les clés comment? Il a pris ça où? Je ne sais pas. Et qui, papa? Tu as eu quoi? C'est rien. C'est rien, ma fille. Il m'a assommé. Il faut que je te parle. Tu as refermé la porte. Oui.
Écoute, je sais que c'est bizarre ce que je vais te dire, mais il faut que tu me crois. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense que c'est Bob qui était ici tout à l'heure. Tu parles de quoi? Bob est mort. Je sais, ça l'est fou, mais je l'ai vu. Et so? Je te dis que je l'ai vu. Il était ici au chevet de notre lit. Il a fait un bruit, je me suis réveillé et je l'ai vu. Il avait une casquette. Mais je l'ai bien reconnu. Je sais que Bob nous a fait beaucoup de mal. Mais il est mort et son nom. Je ne suis pas fou. Je sais ce que j'ai vu. Je peux jurer sur le nom de ma mère que c'était Bob. C'est impossible. Signé Blaise Option, la pièce unique. Take me out.